Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons Madame Marie-Josée Dufour-Garon, qui est directrice générale de Microcrédit Appalaches. Microcrédit, c'est une chose dont on n'entend pas parler souvent, mais qui est très pratique pour beaucoup de gens. Alors, sans plus tarder, je vous présente Madame Garon. Madame Garon, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci. Mon nom est Marie-Josée, comme vous avez mentionné. Je suis directrice de Microcrédit Chaudière-Appalaches depuis 2018. Auparavant, j'ai commencé à travailler pour Microcrédit Lotbinière en 2016 comme conseillère aux entrepreneurs. Et puis par la suite, là, il y a eu l'opportunité de la direction. Donc, j'ai postulé, puis j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir devenir directrice. Microcrédit Chaudière-Appalaches, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif, comme vous avez mentionné, et également un organisme de bienfaisance qu'on a fait les transitions en 2017. Donc, on a réussi également à avoir la possibilité pour les donations là, d'offrir là, des reçus pour pour les dons. Microcrédit est né en Lotbinière en 2007 et en 2016-2017, on a commencé le processus de devenir Chaudière-Appalaches étant donné qu'on avait des demandes d'entrepreneurs de d'autres régions. Donc, on a fait la transition officiellement en 2017, en même temps qu'on a fêté aussi les 10 ans de Microcrédit. Et on a établi le siège social à partir de là dans la région de Lévis. Dans Chaudière-Appalaches, on a 9 MRC, Oui. puis la ville de Lévis. Oui. Vous couvrez toutes les Oui. MRC? Oui. En 2018, on a officialisé, avec le conseil d'administration, la possibilité d'offrir du financement pour des travailleurs autonomes qui ont une idée entrepreneuriale, mais ils sont refusés du fameux traditionnel financement là, classique qu'on connaît. Que ce soit les banques ou Oui. les caisses de C'est jardin. ça, oui, effectivement. Et donc, on a pu exploiter et rediviser, là, dans le fond, nos fonds, puis créer un fonds commun pour permettre à tous les entrepreneurs de la région de Chaudière-Appalaches. L'optique était de pouvoir prendre le territoire, étant donné que c'était une belle opportunité et c'était une demande, effectivement. Beaucoup de travailleurs autonomes, qu'ils soient en pré-démarrage ou en démarrage, vont être refusés du fameux traditionnel financement, simplement parce qu'ils sont au début du processus. Donc, à ce moment-là, souvent, les institutions vont mentionner aux entrepreneurs, bien, commencez, faites vos démarches principalement, puis une fois que vous allez être un petit peu plus stable, vous allez avoir déjà des chiffres à nous fournir pour votre entreprise, on pourra peut-être commencer par la suite. Mais ça, c'est pas ce que vous demandez, vous. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est un besoin qui commence à être un petit peu plus exponentiel là, dans la région. Et c'est là pourquoi, justement, on a décidé de prendre le territoire Chaudière-Appalaches complet. Et puis, le microcrédit, ça s'est fait, ça se fait encore à partir de dons. Oui. Les dons d'entreprises oui, et de particuliers. oui, effectivement. Desjardins, est-ce que le mouvement Desjardins vous fournit aussi des fonds? On a eu l'occasion en 2018 de signer la première entente justement avec le Microcrédit Desjardins. Donc, on a signé une entente de 3 ans. C'était une première pour nous. Le 3 ans, 75 000, donc 25 annuels. On a re-signé en mai 2019 le renouvellement de la deuxième année. Et la troisième année, là, s'en vient dans un monde très, très, très rapproché. On a beaucoup, beaucoup de caisses qui participent à ce mouvement-là dans le microcrédit. Donc, on couvre pratiquement tout le territoire, sauf 3 caisses qui ne sont pas encore couvertes, qui sont proches de notre siège social, malheureusement. OK, dans Donc, Lévis. oui, effectivement. Mais ce prêt, je présume que c'est un prêt que Desjardins vous a fait. Il Oui. est-tu remboursable? C'est un prêt, à leur demande, il peut être remboursable. C'est un prêt sur 3 ans de 25 000. Par contre, il y a plusieurs pensées à tout ça, mais en théorie, c'est un prêt qui est renouvelable également, là. Il y a possibilité. Étant donné la demande qu'il y a justement dans le microcrédit, et Desjardins, eux, reconnaissent énormément l'accompagnement qu'on fait avec les entrepreneurs. Au-delà du financement, il y a aussi un accompagnement puis une préparation. Suite à toute la restructuration qui s'est passée au courant des dernières années, là, gouvernementales, les entrepreneurs qui ont une idée entrepreneuriale et qui ne savent pas où aller cogner, vu ces changements-là, ça a amené beaucoup d'interrogations.
Et nous, en offrant l'accompagnement, on vient répondre à cette problématique-là, d'une certaine façon. L'entrepreneur commence à regarder sur le fameux site Internet Google, regarde, ah, financement, micro-financement. Souvent, on va recommencer à sortir. On va sortir dans les premiers et là, ils vont voir également qu'on fait le financement, mais l'accompagnement. Donc, des fois, on va être les premiers appelés ou on va être référé par d'autres partenaires, là, bien sûr, là, mais ça donne l'occasion de pouvoir. Et justement, suite à ça, le Desjardins a reconnu ça aussi, l'accompagnement qu'on faisait pour les entrepreneurs, que ce soit au début du processus pour les référer aux bons organismes ou dans leur processus à eux, que ce soit pour les aider à pouvoir déposer une demande de financement. Donc ça, c'est un avantage qu'on a supplémentaire aussi. Mais pour faire un accompagnement, même, ça Oui. prend quand même une grosse équipe. Oui. Vous êtes combien sur... Maintenant, on est trois à temps plein. Auparavant, on était deux, donc on a grossi l'équipe, on est rendu trois. Puis c'est suffisant pour neuf MRC, ça, et la ville de Lévis? Oui, ben on a la chance beaucoup de faire du partage avec nos collègues. Donc, tout ce qui est SADC, CLD qui existe encore, ou les MRC maintenant qui a repris le lot du CLD, les centres de formation professionnelle également. Donc, tous nos partenaires, on travaille en partenariat le plus possible avec eux. Ils sont au courant de notre existence. On essaie le plus possible de développer ce lien-là afin de pouvoir répondre justement lorsque c'est une question du processus de financement ou autre, mais ils peuvent parler de notre organisme. On les a rencontrés et tout ça. Donc, ça permet effectivement de faire de la représentation, oui, mais d'être un petit peu, d'avoir moins d'obligations d'une présence constante, là, bien Comme sûr. ici, dans la Oui. région, la MRC des Appalaches, Oui. les personnes vont s'adresser à la SDE, Oui, la Société de Société de développement développement économique. économique, Oui, ou à à la la SDE. SADC. Oui. Eux autres, ils montrent le dossier, Oui. puis là, ils s'aperçoivent que microcrédit pourrait faire excusez le Faire terme, mais la pourrait faire différence. la job. Oui. Fait que là, ils vous contactent, puis là, ben, ils vous mettent en relation, puis Oui. vous faites des noces. Oui. Ben oui, effectivement. Donc, oui, effectivement, ils peuvent monter le dossier comme ils peuvent être au tout début du processus. Souvent, là, avec la Société de développement économique, eux, ils vont être au tout début du processus, vont constater finalement avec les prévisionnels, oh, OK, finalement, tu as peut-être besoin d'avoir un prêt, vers quoi tu vas t'enligner, as-tu accès à des institutions? Non. Oh, OK, bon, ton budget personnel, ça a l'air d'être assez complexe. Parfait, ben. Appelle microcrédit, puis par la suite, on prend la suite et on fait le processus avec l'entrepreneur pour pouvoir l'emmener. Pour pouvoir faire des noces chez microcrédit, il y a quand même un certain processus. Donc, on parle là d'un début, on parle d'une certaine documentation, là, on parle d'un plan d'affaires, des prévisionnels, là, comme toute autre institution ou autre, mais d'un bilan personnel, d'un budget personnel, qu'on fait une évaluation avec un dossier de crédit. On évalue, nous, tant l'entrepreneur que le projet. Donc, les deux sont évalués ensemble. Puis, par la suite, la conseillère va rencontrer l'entrepreneur, bien sûr, dans ce processus-là. Il va faire son rapport d'analyse qu'elle va présenter au comité d'investissement, qui est nos membres du CA, nous. La présentation, c'est les membres du conseil qui vont prendre la décision d'accepter ou de refuser ou de rediriger l'entrepreneur pour refaire ses petits devoirs, puis par la suite, là, avoir accès au financement. Pourquoi un processus qui, pour certains, pourrait peut-être être ardu? Simplement parce que on est là dans notre mission, oui, pour faire le financement, l'accompagnement, mais d'aider l'individu dans son processus personnel à devenir un entrepreneur. Donc, des petits devoirs peuvent toujours être. Des fois, il y a certains entrepreneurs qui ne le voient peut-être pas du bon œil, là, parce qu'ils n'ont pas accès au financement direct, instantané. C'est pas bingo, là, vous passez la case go au Monopoly. Mais ça permet quand même de pouvoir se mettre en mode solution, toutes les valeurs entrepreneuriales qu'un entrepreneur devrait avoir. Mais on essaie de les travailler avec eux dans ce processus-là. Puis quand on dit microcrédit, Oui. ça veut dire qu'on est avec des sommes quand même limitées. Oui. Le maximum qu'un jeune entrepreneur, parce que je présume que c'est des jeunes habituellement qui se présentent. Pas Oui, nécessairement. effectivement, on a de tout âge. Au niveau de la clientèle, on peut avoir du 18 ans et plus. C'est minimum 18 ans, bien sûr, là, mais on va faire un prêt jusqu'à 5 000 $ par entrepreneur. Donc, et c'est un prêt qui va être sur une durée de 3 ans, 36 mois.
qui va avoir l'accompagnement également au trimestriel. En moyenne, il y a certains que ça va être les 6 premiers mois, va peut-être être même mensuel, dépendant du besoin aussi de l'entrepreneur, bien sûr. L'accompagnement va permettre d'obtenir, dans le fond, un meilleur taux de réussite pour l'entrepreneur, ce qui nous permet aussi d'avoir un taux de remboursement quand même très bon. On parle de 97 % le taux de remboursement au courant de l'année 2018-2019. Et on parle de 1200 heures d'accompagnement au courant de l'année précédente. Les taux d'intérêt sont élevés? Notre taux d'intérêt, pour un prêt personnel, nous, c'est bien un prêt personnel. Donc, c'est 3 % plus le taux préférentiel de Desjardins. Donc, actuellement, on parle de 6,95 de mémoire, si c'est 3,95 le taux. C'est mieux qu'un prêt personnel et voilà, pris à la banque ou à la caisse. Oui. On a également un frais de 10 $ mensuel qui fait un total de 120 $ pour l'accompagnement qui va avec. Ce 120 $-là annuel peut être servi pour la possibilité d'offrir également les formations. Parce que vu qu'on est une belle équipe, mais quand même, certes, effectivement, plus restreinte, on ne peut pas se permettre d'offrir des formations de nous-mêmes. Et comme on travaille dans l'optique le plus possible, dans la collaboration avec tout ce qui existe sur le territoire de Chaudière-Appalaches, on respecte les formations qui sont offertes et à ce moment-là, on essaie d'offrir la possibilité justement à nos entrepreneurs, avec leurs besoins, d'aller faire la formation. Donc, on va honorer la formation. Je sais que la SADC en donne des formations. Oui, c'est ça. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est sûr, là, dépendant des montants et tout ça, mais ce qui va répondre à la problématique de l'entrepreneur pour son processus à lui, la conseillère va fortement lui conseiller la formation. Et si le tout est possible, c'est le 120 $ qui va servir justement à la formation pour l'entrepreneur. OK. 5 000 $ maintenant, de nos jours, c'est pas énorme. Oui. Mais ça peut aider pour... je regardais, entre autres, sur votre site... des coiffeurs, coiffeuses, des esthéticiennes. Oui. On offre beaucoup de financement justement aux travailleurs autonomes qui sont dans le domaine du service. Donc, on parle de tout ce qui est service, effectivement, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est même début des entrepreneurs en construction qui commencent, qui doivent aller chercher leur carte. Étant donné qu'on fait le pré-démarrage et le démarrage, eux qui ont besoin d'aller chercher un permis, la fameuse carte là, de construction, le coût à honorer, dans le fond, bien, le 5 000 peut servir à ça. Puis, par la suite, l'effet de levier s'en vient. On peut être aussi un effet de levier pour les institutions financières. Il y a des fois des personnes qui vont demander, dans une institution financière traditionnelle, l'institution va dire, bien, OK, bien, va te chercher un petit prêt personnel, va me chercher une mise de fonds personnelle, puis par la suite, on va t'offrir un prêt. Comme c'est un prêt personnel, nous, de 5 000, le prêt personnel peut servir de mise de fonds, justement. Okay, donc, ça, c'est un effet supplémentaire également. Il peut avoir un jumelage de prêt, là. Oui. Puis, on commence à le voir de plus en plus. Le partage de risques commence à être la tendance, là, actuellement, étant donné que, on commence à être dans un monde assez stable d'une certaine façon. Fait qu'il y a beaucoup, on fait beaucoup de partage de risques avec les SADC, les MRC également. Ils ont besoin d'un petit 5 000 $ pour combler le coût du projet final. Eux sont à leur maximum, donc nous, on peut embarquer à ce moment-là. Puis on le fait. Il y avait ici dans la région, la SDE fait un genre de prêt d'honneur. C'est des prêts sans intérêt, mais qui doivent être remboursés Mais c'est un prêt d'honneur qu'on appelle. Oui, nous aussi, c'est un prêt personnel, mais un prêt d'honneur. Donc, on n'a pas d'entente. On a un intérêt, nous, qui est là. Par contre, toutefois, ça peut arriver qu'on peut avoir des ententes de paiement, mais règle générale, notre taux d'intérêt qui, lui, il est fixe là, pour les 3 années. Mais vu que c'est un prêt d'honneur pour aider l'entrepreneur, il peut avoir des entrepreneurs qui vont être saisonniers. Étant saisonnier, des fois, peut être plus difficile dépendant. Donc, il y a des mois qu'on peut peut-être baisser un petit peu le montant. Mais on s'entend, c'est toute réserve. C'est toujours un processus également. Là. Puis l'évaluation. Mais c'est un prêt d'honneur. Les paiements sont suspendus pendant 3 mois. Ça peut être ce genre-là. On ne suspend pas le paiement nécessairement, mais on va essayer de diminuer plutôt le montant. OK. Donc, nous, ça représente un montant d'environ 163 et des poussières. Certains mois peuvent être plus difficiles, donc on peut peut-être descendre à 100, 150, tout dépendant de la situation de l'entrepreneur. Donc, on va venir jouer sur le montant pour pouvoir lui donner un petit peu plus. Mais automatiquement, par contre, l'amortissement va être un petit peu plus long que 36 mois. Mais on est là pour les aider. C'est principalement pour ça qu'on réagit de la sorte. C'est vraiment pour aider l'entrepreneur, puis lui permettre
d'essouffler un petit peu, de s'essouffler un petit peu moins, je veux dire, puis de pouvoir assurer la pérennité là, de son entreprise. On parle d'entreprise, mais travailleur autonome, c'est la même chose pour nous. Prenez-vous une hypothèque, c'est, supposons, un horticulteur va acheter deux brouettes, 7-8 pelles. Prenez-vous des hypothèques sur son équipement? Non, c'est déjà arrivé qu'on a pris certaines garanties, mais après coup, on réalise que malheureusement, vu que c'est des prêts d'honneur de 5 000 $ bon, ça commence. Puis effectivement, c'est une barouette, on s'entend que dans l'usager, on peut l'avoir. Ça va peut-être nous coûter plus cher à aller chercher. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on mise davantage sur l'accompagnement. Puis l'accompagnement avant, puis après, pour assurer, puis permettre vraiment l'entrepreneur. Et ce qui nous a amené également au courant de l'année à apporter la modification et d'offrir les formations pour pouvoir assurer la pérennité plus que d'aller chercher des garanties. Ouais. Parce que les garanties commencent à être un petit peu plus difficiles. Puis à trois, je vous dirais que l'équipe est peut-être un petit peu restreinte. Là. Il n'y a pas beaucoup de... À 5 000 $, il n'y a pas beaucoup d'équipements qui sont compris là-dedans. Ouais. C'est plus... les contrats, la location du local. Ça peut servir de mise de fonds comme de fonds de roulement. Donc, aussi. Le fonds de roulement traditionnel, il y en a certains qui vont servir pour payer leur employé saisonnier, exemple, celui qui va tondre la pelouse. Bien, ils en ont besoin vite instantané pour les deux premières semaines. Par la suite, il y a l'entrée d'argent. Il y a toujours un délai aussi avec les comptes clients qu'eux ont. Donc, c'est souvent le fonds de roulement qui va être utilisé chez nous comme raison là, de demande de financement. Une entreprise qui fonctionne bien peut rembourser 6 ou 8 mois plus tard la totalité du prêt. Oui, c'est un prêt qui est ouvert. Il n'y a pas d'entente. Non, zéro pénalité dans le fond. On va être très heureux là, de pouvoir les avoir aidés à court terme. C'est encore mieux même. Puis présentement, vous avez combien de prêts environ? Jusqu'à présent, depuis le début, on a 52 prêts d'accordés. Cette année, si on regarde juste pour cette année, là, on a déjà 11 de faits et on a un autre là, au prochain conseil d'administration. Le processus pour avoir un prêt, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le fond, c'est tout le processus, le rapport et ainsi de suite. Mais c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, en général, c'est une moyenne d'une fois mensuelle. Autre en période estivale, là, par contre, c'est sûr que je donne congé à mes bénévoles, mes chers bénévoles, que je remercie infiniment. Donc, actuellement, on a la possibilité d'avoir 3 sièges par territoire. Les régions de Lévis est couvert, les 3 sont couverts, le Binière, les 3 sont couverts. Bellechasse, on en a 2 maintenant. Bellechasse, la Quai de Chemin. Il y a la Beauce qu'on va ouvrir ici dans la région. C'était pas ouvert encore, là-bas? Non, le financement est disponible, bien sûr, là, mais... parce que microcrédit est en plein changement et en plein développement aussi. Donc, il faut comprendre qu'on est parti de Binière, Chaudière-Appalaches, donc on s'est installé à Lévis, on a développé beaucoup Lévis, on a eu la chance de d'avoir le partenaire, justement, ici, dans la région, la SADC, qui a tout de suite vu l'opportunité. C'est le seul partenaire qu'il y a dans... Ici, oui. Oui. Par contre, on a des partenaires financiers, mais on a aussi d'autres partenaires, dont la SDE, comme on disait, le Centre de formation professionnelle. On a également le E2RT qui est avec nous, qui permet d'assister puis d'avoir une salle en collaboration avec la SADC également. Après ça, il y a eu Montmagny-Lillet qui a aussi été de la partie. Puis, Bellechasse, la Quai de Chemin, nous, on les met ensemble, mais on sait que c'est deux choses complètement différentes, là, on s'entend. C'est le processus qu'on est en train de faire là. Donc, je suis en train de développer cette région-là. Par la suite, je vais aller avec la Beauce. Vous ne manquez pas d'ouvrage. Non, pas du tout. Des beaux défis. Oui, aussi. Avez-vous vous êtes 3 ou 4 employés? On est 3. Trois. Oui, à temps plein. Évidemment, il y a des salaires attachés à ça. Est-ce que vous avez des contributions gouvernementales? Oui. Donc, microcrédit, Chaudière-Appalaches, au niveau des opérations, est financé par Micro-Entreprendre. Micro-Entreprendre, c'est l'ancien réseau québécois du crédit communautaire. Donc, c'est eux qui négocient puis qui voient tout avec le MEI maintenant, l'ancien MESI, et dans le fond, qui nous redistribue. Micro-Entreprendre, on est un regroupement. Donc, le microcrédit existe au Québec. On est... de mémoire, une 15aine de membres donc dans chaque territoire. Le dernier qui vient juste d'ouvrir, c'est nos collègues à côté. Donc, c'est la région des Bois-Francs qui est le centre du Québec.
Mauricie, il y en a. CORTB, OK. Il y en a 15 centres. Oui, oh oui. Qui sont financés par... effectivement, par le ministère. Fait qu'au niveau des opérations, les salaires et tous les frais et tout, les déplacements, le tout local, ça est couvert. Oui. Les déplacements, dépenses, ouais. Les frais de déplacement, tout ça. Oui. Alors, ça, c'est... Ça, c'est tout couvert. Au niveau du fonds de capitalisation, par contre, c'est là qu'on doit aller chercher. Donc, on a eu des ententes en 2017 et 2018 avec des privés, comme on mentionnait tout à l'heure. Il y a Desjardins également qu'on a fait l'entente. On a les SADC, les MRC. Il y a encore beaucoup à aller chercher. Ouais. Beaucoup au niveau des entreprises privées et organismes. Et on a également des dons qui sont offerts là, par les entrepreneurs qui, au tout début, eux, ont eu un besoin minime, puis qui ont par la suite, ils ont eu l'occasion de croître. Mais je pense à un entrepreneur qui va fournir des fonds pour microcrédit. Ils voient quel avantage, eux autres, ils n'en ont pas. C'est de la philanthropie ou... Oui, d'une certaine façon, mais ils ont aussi maintenant, vu qu'on a fait les démarches en 2017, de devenir organisme de bienfaisance, on leur offre la possibilité là, d'avoir un reçu si, de charité. Oui, okay. Si c'est un don, on leur offre la possibilité. Et si c'est un prêt, au niveau des intérêts, si ah, ça exemple, peut c'est être assez aussi zéro prêts, oui, ça peut être un prêt aussi, effectivement. Ah, okay. Dans la région de Lévis, en 2017, il y a eu une campagne qui a permis d'aller chercher 30 000. Le 30 000, c'est un mix là, de dons et de prêts aussi par les ça entrepreneurs échangeables sur 3 ans. Mmh. Oui. Donc, ça ajoute aux 25 000 que Desjardins vous prête aussi. Oui, c'est ça. Donc, on est allé chercher un fonds, mais aussi, à l'époque, Microcrédit Lotbinière avait déjà un fonds disponible. Par contre, le nouveau défi pour moi, en changeant la direction et tout, mais c'est d'aller chercher les nouveaux fonds, encore une fois, pour le développement là, des nouveaux territoires, la Bellechasse et la Quai-de-Chemin. Éventuellement, je devrais lancer la campagne de financement là, au courant de la nouvelle année financière pour nous qui commence le 1er avril. Donc, avril 2020, on va se lancer là, dans la campagne de financement pour aller chercher des fonds. Nos fonds de capitalisation sont tous divisés là, par territoire. Okay. Éventuellement, c'est dans l'optique de pouvoir devenir un fonds aussi au niveau de la comptabilité. C'est juste une question de comptabilité, on s'entend, ouais. Là, mais d'avoir un fonds commun pour Chaudière-Appalaches. Puis, une bonne journée, ben il va y avoir tellement de prêts qui vont revenir que la roue va tourner tout seul. Oui. Parce que ce n'est pas des gros montants d'intérêt, mais il reste que ça ajoute au capital. Oui, oui. Mais comme vous mentionnez, effectivement, c'est... Pas demain, disons, là. Il ne faut pas croire que le taux d'intérêt va permettre de capitaliser à nouveau, non, là. Mais il y a aussi le fait du risque financier qu'on a. Donc, ouais, on si a certains entrepreneurs qui ont des fois des propositions de consommateurs ou de faillite, ça nous est arrivé aussi. Mais si vous avez seulement 3 % de mauvaises créances, c'est quand même bien. Oui. Effectivement. Fait que ça met en lumière l'accompagnement qu'on fait avec eux, mais on n'est pas à l'abri quand même. Non, c'est sûr. Il y en a un, le dernier, qui a fait faillite, malheureusement, mais c'était suite avec des ententes avec le gouvernement. Donc, la valeur était trop élevée. Il n'y avait pas d'autre option pour l'entrepreneur. Là. Donc, à ce moment-là, c'est 5 000 $ de perdu. Parce Et que voilà. C'est toujours des prêts de 5 000 ou ça peut être. Il peut avoir des nano-prêts aussi, jusqu'à 2 500 $. C'est sûr que le processus est un petit peu plus court. En général, c'est souvent 5 000 $ qui est demandé. Il y en a certains qui vont demander des 4 000, puis après réflexion, puis à la fin du processus, ils vont dire, mais finalement, je crois que dans un monde idéal, ça serait mieux d'aller chercher la totalité. Ouais. Vu que c'est un prêt qui est ouvert, donc je peux le rembourser. Si je n'en ai pas de besoin dans 2 mois, bien, je vous rembourse la différence. Puis un nano prêt, ça sert à quoi? 1 500 $ des fois, ça peut être juste, exemple, une coiffeuse, justement, tu sais, qui a déjà le sous-sol chez elle, que son conjoint travaille dans le domaine de la construction, mais qui a besoin d'aller chercher, finalement, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il a inventaire pour partir. 1 500 $ habituellement, 2 000, ça répond là, aux besoins. Donc, ça réduit l'endettement. Oui, aussi. Puis ça permet de partir. Étant donné que c'est un prêt personnel, nous, on ne va pas jouer dans la cote de crédit, rien. Donc, on ne rentre pas pour un montant de 5 000 $. On ne vient pas influencer non plus le dossier de crédit. Ça donne la chance. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant. Ça donne la chance à l'entrepreneur, oui, d'avoir la possibilité d'avoir un prêt sans venir, mais
indirectement, s'il y en a qui ont plus de difficultés au niveau du paiement, avec des ententes ou autre, mais ça ne vient pas non plus influencer leur code de crédit. Puis ça leur donne la chance par la suite. L'optique, c'est de pouvoir les aider dans le processus, mais donner la chance à avoir accès à une institution financière par la suite, là. Ouais, C'est comme le tremplin, dans le fond, le microcrédit, vraiment là. intéressant. Oui. Ça peut remplacer le père de famille. Oui! Puis ça peut compléter le love money, comme on dit en bon français. Ouais. Love money, j'aime l'expression. En bon français. Ouais. Sur le conseil d'administration, il y a combien de membres? Un membre par MRC ou En moyenne, on a le droit à trois. Trois sièges sont disponibles par MRC, mais actuellement, on est rendu à neuf. Donc, comme je mentionnais tantôt, Lévis, on en a trois. Le Binière, on en a trois. Bellechasse et Chemin, on a deux. Donc, six, sept, huit. On a un à Montmagny et un ici, dans la OK. région, là. Ben, c'est Neuf. comme suffisant parce qu'un conseil Oui. d'administration à 30 personnes, ça commencerait à être lourd un peu. Étant donné qu'on est une grande équipe aussi et que je suis secrétaire directrice, j'ai la chance d'avoir une excellente présidente qui s'occupe là de l'animation du conseil, mais sinon, je trouve qu'effectivement, ça ferait beaucoup de bretelles. Ouais. Malheureusement, Oui. c'est tout le temps qui nous reste. C'est dommage parce que on pourrait en apprendre énormément plus encore. Peut-être qu'on aura la chance de revoir Madame Garon sur notre émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute. Et si vous connaissez des gens qui ont besoin de microcrédit, évidemment, soyez sans gêne. Vous pouvez vous adresser à la SADC ou à la SDE de la région de Thetford. Et Madame Garon va assurer le suivi. Merci et à la semaine prochaine.